Welcome to my channel, Tech and Wheels with Pat. La partie française dans la description. Today we're gonna do inverted range test, which means that I usually use 20% of battery capacity when I go from home to work, meaning that I usually charge up to 80%. And when I come to work, I will show you. When I come to work, it's at 60%. And I'm using around 18.9 kilowatt hour to do that because I'm driving on the motorway. So the idea is to how, and I'm driving with on Eco. So how it is if I drive in sports mode all the way, how much can I get? So if I drive in Eco under 100 kilometers an hour, you'll see 18.9 kilowatt on the top right. I manage 14, around 14. I can use about 15% of the battery instead of 20. So that's already something I know, but I want to do the opposite and try to use as much as I can to see how much I can waste. If it sounds okay for you, so let's start. Well, here we go. I take the cars down and I put it on sport. Well, guys, here we go. So let's see how I did. So 22.9 kilowatt hours. That's the max I managed. And it's 66 kilometers. So I started with 90% of battery and now I have 66. So it's 24% of the battery. And usually I'm using 20 gone. So it was a fun, good experience. So you see, I mean, I did try to do my best to burn as much energy as I could. And actually on the curves, I mean, the max is 7 when you're on curves 1. But when you start braking, it takes up a little bit, up to minus 25. But now that was a fun experience. So let's see you on the next episode. Bye-bye. Donc, le prochain test est un test de conduite, donc de distance. Je sais que... Quand je roule normalement, depuis chez moi jusqu'au boulot, j'utilise 20% de la batterie, donc aux alentours de 18 kilowatts, 18-19 kilowatts par 100 km. Donc je vais tourner la caméra. Et en bas à gauche, 60%, je charge le véhicule jusqu'à 80% normalement. Et en haut à droite, vous avez 18.9. Et ça, c'est avec autoroute à 110 km/h d'autoroute. Et j'ai beaucoup d'autoroute. Donc, si je prends les routes externes, j'arrive à économiser 5% de la batterie. Donc, 15% total de la batterie. Et aux alentours de 14-15 kWh. Donc, c'est ce que j'utilise... 14, c'est mon record. 14 kWh, c'est mon record. Donc, l'idée, c'est de faire complètement l'inverse. C'est de mettre le véhicule en sport et puis en rouler comme un cochon jusqu'à la maison et voir maximum combien j'arrive à utiliser. Donc, on y va. À tout à l'heure. À ciao, ciao. Et nous voici. Je prends le Kers A1 et je mets sur sport. Et on est parti. Donc nous voici, nous voilà. On va regarder les résultats. Donc 21.9 kWh tout en haut à droite. Donc et tout en bas à gauche, 65% de la batterie. Donc j'ai brûlé 25% d'énergie. Je suis parti à 90. Maintenant je suis à 65. Donc assez sympa, j'ai fait de mon mieux hein, pour brûler autant de pour utiliser autant d'énergie possible. Donc 21.9, 22 kilowatts en roulant comme un cochon sans regarder, freiner
Aussi, le freinage, aussi, le Kers, c'était 1, donc il freine à moins, donc il régénère moins 7. Et normalement, si vous vous mettez à 3, il régénère max à moins 25. Mais donc, quand vous appuyez la pédale sur la pédale de frein, il régénère un peu plus. Mais donc voici, expérience sympa. Ça doit sûrement être une première, celle-là. Donc voilà, à une prochaine. Et puis, ayez une bonne journée. Passez une bonne journée.